Le Dev Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning ce matin. Dans notre studio, on reçoit Monsieur Bibunza Olsen. Il est coordinateur et exposant et commercial. Et Jao Clémence, elle est coordinatrice administrative. Ils viennent nous parler des Digital Days, salon du numérique. Monsieur Olsen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Madame Clémence, bonjour. Bonjour, monsieur. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, le Digital Days, c'est quoi exactement ? Alors, le Digital Days, c'est le rendez-vous des experts et des passionnés du numérique. Mm-hmm. Donc, c'est un salon qui se tiendra du 20 au 22 juin prochain à la Baie des Rois. D'accord. C'est concrètement, c'est juste un salon de numérique. C'est un salon. Il y a quoi de particulier ? Il y a beaucoup de salons de numérique en ce moment. D'accord. C'est un salon qui a une particularité. Voilà, elle va en même temps. Il y aura des conférences, débats. D'accord. Il y aura un des tâtons. Mm-hmm. Il y aura c'est des quoi formations. Un des tâtons ? Un des tâtons, c'est une contraction entre État et hackathon. D'accord, parce que je connaissais l'hackathon. Voilà, hackathon. Ouais, là, vous m'emmenez un nouveau mot, hackathon. Voilà, c'est une contraction comme ça. Donc, c'est un challenge patriotique où des jeunes développeurs vont travailler sur des thématiques et apporter des solutions concrètes. Vous avez déjà défini les thématiques ? Non, c'est à la veille de l'événement qu'elles seront. Ah oui, comme voilà, c'est un hackathon. Donc, voilà, on doit donner ça sur place, vous gérez sur place et voilà, puis les gars sortent de là. Voilà. Ok, ça va s'étaler sur combien de jours ? Sur 3 jours. Qui organise ça ? C'est l'association JDEG, dont nous sommes membres, en partenariat avec le ministère de l'économie. C'est quoi l'association JDEG ? Elle fait quoi exactement ? Voilà, c'est une association qui œuvre pour l'insertion sociale via le numérique. Voilà. Ok. Et vous avez combien de membres ? Aujourd'hui, nous sommes à 500 membres. Vous êtes basé à Libreville ? À Libreville. Vous avez un siège ? À l'immeuble Rénovation. Vous faites des formations ? Oui, on en a déjà fait. Vous faites des formations sur quel domaine du numérique ? Les domaines les plus demandés sur le marché du travail aujourd'hui. Ah bon ? Par exemple, le community management. Oui, par exemple. Ça c'est vraiment demandé. Voilà. Parce que le community management, ça va dans tous les sens. Voilà, Est-ce que ça fait partie de ça fait partie de votre déontologie ? Parce qu'il y a des community management, ils mettent des choses sur les pages des parents de René Ruth. Bien sûr, ça fait partie. Des fois, ils vont à l'encontre de l'image de la société. Ou bien c'est des techniques pour attirer le public. Non, c'est pas des techniques pour attirer le public, effectivement. Mais le community manager de la SCG dit que vous faites bien le malin, vous allez voir ça ce soir. Après, il faut savoir aussi faire la différence entre les pages officielles. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui créent des pages juste pour s'amuser. Voilà. Oh, tu as par exemple la page Dieu sur Facebook, Satan sur Facebook, tu ne vas pas forcément croire en ce qu'il publie. Voilà. Et même le cas de la SCG, j'ai une page aussi, je pense qu'il n'est pas officiel. D'accord, ok. Et donc, vous organisez, cette association organise les Digital Days à la Baie des Rois. Pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, pour participer, c'est simple. C'est simple, oui, hein. Madame. Donc, pour participer, c'est simple. Il suffit de s'inscrire sur notre page Facebook, il y a le lien. Mm-hmm. Ou encore de venir tout simplement. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc, l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. Sans oublier que nous sommes en partenariat avec le ministère de l'économie numérique. Mm-hmm. Voilà. Il faut combien d'équipes maximum ? 10 équipes. Combien de membres par équipe ? 3 personnes. Vous voulez qu'ils créent quoi, en fait ? Déjà pour le bon, thème. Bon, j'espère que c'est pas un secret. Hein. Non, c'est pas un secret. Déjà pas pour rapprochez-vous thème, du micro. D'accord, pour le thème, c'est de créer une solution du e-gouvernement, donc la dématérialisation des procédures administratives. Mais ça, c'est pour les ingénieurs en fait. Donc chacun va réfléchir à ce qu'il proposera. Donc la meilleure idée sera celle qui sera retenue. D'accord. Okay. Ils doivent créer sur place. En 24 heures. Et vous avez les structures pour les accueillir en 24 heures. Ils vont pioncer là. Oui, on a le partenaire Yann Petit, d'accord, de qui va accueillir les personnes qui feront le concours des tâtons, voilà, donc ils seront là-bas pour faire les tâtons. Voilà. Monsieur Olsen, vous avez dit qu'il y aura des conférences, débats, elles vont porter sur quoi comme thème et qui seront les exposants ou bien les conférenciers ? D'accord, donc il y aura des panels qui seront composés d'experts. Donc il y a un panel interministériel. Donc le ministre de l'économie numérique lui-même va convier ses collègues qui sont ceux de l'enseignement supérieur, l'éducation nationale, le ministre de l'économie. Donc ils vont débattre sur... et le ministre de la santé, je vais rajouter. Donc ils vont comme ça, chacun va présenter les projets qui concernent la digitalisation de leur secteur. D'accord. Voilà, il y aura des panels également...
qui seront réservés à l'administration sous tutelle du ministère de l'économie numérique. Donc il y aura la direction générale de la promotion de l'économie numérique, il y aura la GEOS, il y aura la SPIN, il y aura la NINF. Voilà. On aura par exemple le docteur Placide Aubian, qui est docteur en sciences de gestion et qui va intervenir avec le thème « Comment obtenir des financements pour développer sa start-up ». Exactement. D'accord. Il y aura, vous avez parlé d'exposants, donc il y aura des stands. Il y aura des stands, exactement. Oui. Comment faire pour avoir un stand à ce salon? Voilà. Depuis le site internet, vous pouvez réserver un stand. Voilà, ou sur la page Facebook, ou tout simplement vous rapprocher du comité d'organisation. D'accord, vous, vous êtes exposant. C'est ce que vous avez dit, coordinateur et exposant. Coordinateur exposant, donc je gère la partie exposant et commercial de l'événement. Et si j'ai un projet, je recherche des partenaires, est-ce que je peux venir? Bien sûr, c'est l'occasion. C'est l'occasion aussi de rêver, de rencontrer des potentiels partenaires ou des potentiels clients aussi. Ah, ok, d'accord. Les stands sont grands. Ou bien vous allez nous donner une chaise et puis une table. Il y a des superficies. C'est selon les superficies. Il y a des stands de 6 mètres carrés. Il y a ceux de 25 mètres carrés, ceux de 36 mètres carrés. Il faut être dans le numérique pour pouvoir exposer. Ou bien quelqu'un qui vend les tomates peut venir prendre son stand devant cette table. Oui, il peut venir prendre son stand et montrer ce qu'il sait faire. Ah, d'accord. Voilà, vous avez développé des solutions numériques pour vendre les tomates? C'est le moment. C'est le moment d'y réfléchir. Voilà. Est-ce que c'est possible? On a beaucoup de créateurs de contenu. Est-ce que des blogueurs, des influenceurs peuvent venir pour avoir, par exemple, certaines idées pour améliorer leur contenu? Mais bien sûr. D'ailleurs, on essaie de voir comment ces créateurs de contenu peuvent aussi avoir... un espace pour pouvoir débattre sur le sujet, ce qu'ils savent faire, voilà. Comment ça leur apporte des fonds, de l'argent aussi, et comment utiliser Internet pour faire des bonnes choses. Est-ce qu'une entreprise peut présenter des innovations à un public cible? Bien sûr, il y aura des talks. Donc comme ça pendant une heure c'est de temps. C'est quoi les talks? Les talks, c'est un espace devant un public, là où vous venez prendre la parole et puis présenter vos innovations pendant une heure de temps. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Ouais. Est-ce que ce sera retransmis par streaming? Vous êtes quand même dans le numérique. On ne peut plus se passer de ça. Bien sûr, ce sera en direct. Ce sera en direct en streaming sur votre page Facebook? Oui. Clémence n'est pas sûre, parce que... Elle dit que... Oh, le gars, là, il dit quoi, là? Comment il peut venir? Comment il peut venir faire des promesses? Tu as fait un regard à ton type, là. Oh, mais comment? Il dit quoi, le gars? C'est ça. D'accord, je pense qu'on a fait le tour, monsieur le Sénat. Ou bien, il y a quelque chose à ajouter? Tout simplement remercier le ministre de l'économie numérique et des nouvelles technologies. Le général Bonjean Rodrigue Banza, qui est très dynamique et sans qui l'événement n'aurait pas eu lieu. Ok. C'est lui qui a chapeauté un peu tout. Sans oublier nos sponsors. Vous avez les sponsors. Citez les sponsors. Arcep, on va citer Arcep, RTL Gabon, Gabon Télécom, la SPIN et sans oublier Huawei Technologies. En fait, vous êtes étudiant à l'INPETIC. Non, pas du tout. Ok. Ben écoutez, Monsieur Bibounza et Madame Jao, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On voudrait quand même laisser également les contacts pour. Voilà pourquoi je vous ai dit quelque chose d'accueil. À ajouter. D'accord. Donc il y a le 062 04. D'accord. 60 67. 062 04. 60 67. Voilà. Et le 076 34 49 23. Rappelez la page Facebook. Digital Days. Gabon. Quand le Digital Days là va finir, la page Facebook va rester. Elle va rester. C'est un événement qui va entraîner d'autres événements numériques. Donc les Digital Days, ça va pas être que cette édition. D'accord. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.